Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un retour de course. Je vous laisse avec la vidéo. Donc là, je vais vous faire mon petit retour de course Costco. Généralement, je vais au Costco une fois par semaine. Il y a toujours des petites choses que je prends habituellement. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai pris aujourd'hui. Bon, j'ai pris des pignons de poulet. J'en prends pas chaque jour, mais chaque semaine plutôt. Mais j'en ai pris aujourd'hui. Puis, de toute façon, je ne remets pas aussi toutes les semaines. Donc, quelque chose que je prends généralement peut-être toutes les semaines, c'est des saucisses. Bon, ici, ça s'appelle ça saucisse italienne. Des grosses saucisses comme ça. J'en fais peut-être 3 repas avec, donc pour une famille de 4, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je prends généralement pas toutes les semaines, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est des hauts de cuisse. Il n'y a pas de peau, moi j'aime pas trop quand il y a la peau, donc je les prends comme ça. Puis ça me dure vraiment, on va dire même 4-5 repas quoi. C'est vraiment gros, c'est plus de 2 kilos. Donc ça, j'en prends peut-être une fois par mois, quoi. Après, on a les bananes. Les bananes au Costco, c'est là que je les trouve moins chères. C'est sûr, comme vous voyez, elles sont vertes. Mais elles sont à 1,99. Donc 1,99, c'est bon. Puis c'est pas au kilo, donc... Peu importe qu'il y en ait 10 ou non à l'intérieur, c'est toujours 1,99. Là, il y a 3 concombres pour 2,49 $, je pense. Donc, c'est quand même bien. On a des pousses d'épinards, des jeunes épinards pour mettre dans les salades. Donc le pack de 40 fromages comme ça, c'est pas toutes les semaines que j'achète ça. C'est vraiment des fromages individuels que les enfants peuvent prendre en fait. Ça se présente comme ça. Il y en a vraiment beaucoup et ça se conserve bien. Et puis sinon, il y a ça, c'est des dés de tomates. C'est des cannes de 796 ml. Donc c'est quand même gros. Ça peut au moins durer 2 repas, dépendamment comment vous utilisez les tomates en dés. Donc c'était une promotion au Costco, donc j'en ai profité pour en prendre, vu que j'utilise ça quand même dans pas mal de choses. Et donc ça, c'est un peu les choses pour lesquelles je vais au Costco chaque semaine. Le lait, parce que... Le lait 2% comme ça au Costco, c'est là qu'il est moins cher en ce moment, surtout avec l'inflation. Donc, j'en prends 2, donc ça me fait 4 litres. Après, il y a des petits yaourts à boire comme ça, nano. Il y en a 24 à l'intérieur. C'est vraiment aussi là que c'est moins cher au Costco. Donc j'en prends chaque semaine. Puis après, on a des mini bocconcini comme ça pour faire la salade. Bon, ça dure plus longtemps quand même, parce que c'est quand même 500 grammes. Donc, c'est intéressant. On a le pack de 18 œufs. Et pour finir, bon, ça va durer quand même un bon 2-3 semaines. C'est 16 petits cups comme ça de houmous. On peut manger ça avec des petites chips de pita ou des légumes aussi. Donc c'est tout. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la fruiterie à côté de chez moi. Donc comme vous pouvez voir, j'ai acheté des bananes plantains mûres. Donc, j'ai pris des citrons verts. De la charcuterie, de la jambon fromage noir, du salami et du jambon de poulet.
de la coriandre, des oignons verts, des tomates, ça c'est des pommes, on a 900 grammes environ de carottes, un poivron jaune, un filet d'avocat, du romarin, un chou blanc, une baguette, et pour finir, des piments jalapeno verts. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et like. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Demeurez bénis. Bye bye.